رمضان النهار ودخل عليها هذا الرمضان ولم تصل
Jésus dit bien souvent aussi, non seulement la femme qui, à cause de sa grossesse, n'a pas pu jeûner le mois du Ramadan. Donc elle a tout un mois à pouvoir rattraper. Donc après sa grossesse, lorsqu'elle a pu jeûner, elle passe dans l'état de nourrice, donc elle allait son enfant, et à cause donc, de l'allaitement, elle ne peut pas jeûner, ce qui fait que deux mois du Ramadan s'enchaînent sans qu'elle n'ait pu rattraper ses jours. Et à la limite, donc à l'année d'après, sans qu'elle ait rattrapé les deux mois qui lui restaient extraits de l'autre. Tu nourris l'intention même dans ton fort intérieur à ce
ce que le mois de Ramadan qui arrive soit différent des mois précédents. T'amour le ma'ruf. Tu ordonnes le convenable. T'amour le munkar. Tu interdis le blâmable. T'adou ila tawhid Allah. Tu appelles le monothéisme de Dieu. La tufti iqlam. Tu n'es même aucun abbé juridique. تعلم الناس الذي أنت واثق منه 100%. Tu enseignes aux gens ce en quoi tu as une certitude absolue à 100%. وإذا كنت تشك في شيء لا تتكلم فيه إطلاقا. Et lorsque tu doutes d'une chose, n'en parle pas du tout. تشترك المحرمات والمفسدات وما ينقص الصوم كذلك الذي يكره في الصائم. Tu t'éloignes de tout ce qui est interdit, de tout ce qui va rompre le jeûne ainsi que de ce qui va amoindrir la récompense du jeûneur. Tu sais le Tarawih. Tu pries la prière Tarawih. Tu fais le Qira'at al-Qur'an, le Dhikr Allah wa du'a. Tu multiplies la lecture du Coran, tu fais beaucoup d'évocations d'Allah et tu invoques beaucoup. T'a'taqif al-'ashr al-awaakhir. Tu as accompli la retraite spirituelle durant les dernières nuits du mois. Al-'ashr kamila. Complètement, les dernières nuits complètes. Si tu ne le peux pas faire les dernières nuits, alors tu essayes de faire au minimum les nuits impaires de ces nuits-là. Essaye de te retirer du plus possible de ce moment. قول السوء والعمل به والغيبة والنميمة والكذب وغيرها. Tu délaisses le faux témoignage, sa mise en pratique, le mensonge, la calomnie, la médisance, le colportage des radios et autres. مشاهدة التلفاز. Regarder la télévision. الاتيان إلى أماكن التي فيها نساء وغنى وغير هذا. Se rendre dans des endroits dans lesquels on trouve des femmes, de la musique et autre chose de ce genre-là. يعني معنى هذا أن تكون في المسجد في أغلب الأوقات. C'est-à-dire rester à la mosquée dans la plupart du temps. يعني نعم من نعم أنك لا تعد ولا تحصى أن الله سبحانه وتعالى بلغك رمضان الصلاة بلغني إياكم يا رب. Car ceci fait partie des noms, des innombrables bienfaits qu'Allah a déversés sur nous de pouvoir rester à la mosquée durant le mois de Ramadan, qu'Allah fasse que nous atteignons ce mois-ci. Et c'est en étant reconnaissant que les bienfaits d'Allah sont constants. Et si vous faites preuve de gratitude, je vous rajouterai, comme ceci est dit dans le verset. بالنسبة لتعويد الأولاد على الصيام، ذكرنا أن غير البالغ لا يجب عليه الصيام. Concernant le fait d'habituer les enfants aux jeunes, nous avons dit précédemment que celui qui n'est pas primaire n'a pas l'obligation d'habituer le jeune. فيعود على الصيام. Mais on l'habitue quand même à jeûner. وإذا رأيت أنه قد تعب في النهار وكذا، تذكر له أنه يعني يصح له أن يأكل. ثم في اليوم الثاني يزيد حتى يستطيع إكمال اليوم كامل. نعم. Lorsque tu vois qu'il fait preuve de fatigue durant la journée qu'il a dans laquelle il a commencé à jeûner, bien laisse-le manger en lui faisant référence à l'importance de jeûner et le jour d'après laisse-le jeûner un peu plus et jusqu'à ce qu'il se fatigue, jusqu'à ce qu'il arrive à accomplir un jeûne d'une journée complète. بالنسبة لقراءة القرآن concernant la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. تقتنم هذا الوقت في أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. Tu profites de ce moment-là afin de lire le Coran d'une lecture correcte. وبخاصة قراءة الفاتحة وقصار السورة. Et en particulier la lecture de la Fatiha et des petites sourates. تأتي إلى الإمام أو من له دراية ب تصحيح التلاوة وتعرض عليه ما تقرأ. Tu auras l'imam, à celui que tu connais qui a une bonne connaissance des règles de la lecture coranique, et tu lui laisses ce que tu connais afin qu'il te corrige. تأخذ تفسير مختصر كتفسير ابن سعد رحمه الله تعالى وتقرأ تفسير هذه الآيات التي تقرأها. Tu prends un livre
d'exégèse résumé comme celui de Cheikh Sahel, rahimahullah, et tu lui lis dedans une surat que tu dois lire. Ou tu stamais à la al-qira'a al-musajjala de tafsir ibn Sa'id. Hadi wujud lillah al-hamd an tariq al-ajiza, al-hatib al-mahmoud wa ghayrih. Ou bien on dit, bon, tu vas lire, tu vas écouter par exemple l'enregistrement de ce tafsir de celui de l'exégèse de Cheikh Sahel qui existe aujourd'hui et qu'on peut obtenir à travers certains sites internet ou à travers ces appareils qu'on a tous. Le sens de cela, c'est que tu utilises tout ce qu'il y a autour de toi comme une assistance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mosquée, tu lis le Coran. Et lorsque tu te rends à la mosquée, donc tu la quittes, tu lis aussi. Lorsque tu es libre, tu n'as rien à faire. Cracher de façon à ne pas la valider. Ben, le khar.
أبالي لا مرض. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا الفعل حرام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى cite que cette action est interdite. لكن إن صنع هذا فهو لم يخطئ صيام صحيح. Mais dans le cas où la personne aura accompli cela, eh bien, ça n'aura pas d'incidence sur son jeûne et celui-ci restera valide. Parce qu'il n'a rien inséré dans sa poitrine. Exagérer dans l'aspiration de l'eau lorsqu'on jeûne par le biais du niveau. Ceci est détestable. طيب بعد هذا الآن في هذا الشهر العمل كثير والأكل قليل وتعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر. لماذا؟ لأنك تسخر هذا البدن فيما هو البدن وترتاح وتتمنى لو أن السنة كلها تكون رمضان، وبهذا تعلم أن الغاية من خلق الجن والإنس العبادة، ومتى صنعت هذا الأمر التعبد لله تحت، ومتى تركت العبادة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إن الباطل كان زهوقا. Après cela, durant ce mois-ci, toutes les actions auxquelles on a fait référence nous poussent à faire beaucoup d'efforts dans cela et à diminuer le fait de manger. Et après, on se retrouve face à la raison pour laquelle on a été créé, c'est-à-dire l'adoration. Et lorsqu'on consacre son temps durant ce mois-ci à l'adoration, on ressent une paix intérieure, on ressent un apaisement. Et on comprend réellement et vraiment cette réalité qui est pour laquelle on a été créé, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on aimerait, lorsqu'on se retrouve dans cet état, que toute l'année soit comme le mois du Ramadan, une année dans laquelle on ressent cet apaisement spirituel dans l'adoration. Quant à la personne qui délaisse cette fonction pour laquelle il a été créé, qui s'adonne à autre chose, et bien comme on l'a dit dans le Coran, quiconque se détourne de mon rappel, nous nous ferons vivre une vie pleine de gêne et nous nous ressusciterons le jour du jugement aveugle. Une femme dont le sang des menstrues a coulé quelques minutes seulement avant l'appel à la prière de Maghrib. Que doit-elle faire? Elle doit rattraper ce jour-là. Dans le cas où elle a ressenti les douleurs qui précèdent les menstrues avant le coucher du soleil, mais le sang des menstrues n'a coulé qu'après qu'après le coucher du soleil, et bien dans ce cas-là, elle n'a pas à rattraper son jeûne et son jeûne est valide. Personne qui se réveille après l'appel à la prière, de la prière du matin, de Fajr, en état d'impureté rituelle, c'est-à-dire en général. Est-ce que son jeûne est valide? Oui. Son jeûne, il est valide. D'ailleurs, le Bukhari, rahimahullah, il a intitulé un des chapitres de son recueil de la personne qui se réveille en état d'impureté majeure durant une des journées du jeûne. Et donc, il conclut cela. Kul man afta fi ramadan لعذر شرعي فله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان لا إشكال. من أخطأ كل من أخطأ
لعذر له ان ياكل ايش؟ نعم في نهار رمضان. Toute personne qui suit à une excuse valable est amenée à rompre son jeûne durant la journée du mois de Ramadan, a le droit après cela de manger et de boire sans aucun problème. قامت الحجة عليك الآن بمعرفة
المفسدات والمكروهات الصيام والمحرمات وغير هذا، فلا بد أن نعلم ثمرة العلم العمل، وعالم بعلمه لم يعلم معذب من قبل عباد الله. Chez Jésus, Allah, il nous appelle à réviser sérieusement toutes les règles qu'on a vues ensemble durant les mots qu'on a fait aujourd'hui et de nous réunir avec nos camarades et de relire toutes ces choses-là plusieurs fois afin de les maîtriser, afin de les connaître par cœur et de revenir au dépliant qui nous a été distribué dans lequel on retrouve la jurisprudence du jeûne écrit par et donc de bien les réviser, les valider en compte. Et toutes les questions, je viens de dire, dans lesquelles il y a divergence et qui nous posent problème, on revient dans celles-ci aux savants qui sont aptes à nous aiguiller dans ces cas-là. Et ne pas oublier que l'intérêt essentiel et primordial de l'apprentissage, c'est la mise en pratique. C'est ça le fruit de cet effort. Et comme le poète disait, et un savant qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris sera châtié avant même ceux qui adoraient les statues. D'où l'importance capitale de mettre en pratique ce qu'on a appris. Mahakum siyam shahr rajab. Quel est le jugement du fait de jeûner le mois de Rajab? Ifrat hada ash-shahr wa takhsis hada ash-shahr bis-siyam haram. Donc le fait de jeûner seulement sous ce mois, ce mois-ci, sans jeûner d'autres mois, de le particulariser par le jeûne est interdit. قال حافظ ابن رجب رحمه الله لم يثبت شيء في فضل رجب. Ibn Rajab رحمه الله تعالى a dit que aucun texte n'a été authentifié concernant la vertu du mois de Rajab. ذكر فيما تقدم فيما يتعلق بالصيام الست من شوال انه لابد ان يتم صيام شهر رمضان، فاذا كان عليه قضاء لابد من القضاء اولا، ثم بعد هذا يصوم الست من شوال، حتى ينطبق على الحديث من صام رمضان واتبعه ستة من شوال، نعم. Nous avons dit précédemment concernant le fait de jeûner les six jours du mois de Shawwal qu'il fallait obligatoirement qu'il ait complété le jeûne du mois du Ramadan. Au préalable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas commencer à jeûner les six jours du mois de Shawwal alors qu'il lui reste maintenant des jours de jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Afin que le contenu du hadith s'applique sur lui, il faut obligatoirement qu'il ait jeûné le mois du Ramadan entièrement avant de s'adonner au jeûne sur le mois de Ramadan. Concernant la question en relation avec les tentations que l'on peut voir énormément partout, comment peut-on conseiller le jeûne, c'est-à-dire le petit, ouais, dans ces cas-là? Et tu sais, il se marie. Fait, il est là, s'il ne peut pas, il est là, qu'il jeûne. Et qu'il ne mange pas trop et qu'il ne boive pas trop. وأن يكون معه مصالح تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. qu'il reste en compagnie, en bonne compagnie, en compagnie de personnes vertueuses qui lui ordonnent le bien, qui lui interdit le mal. كذلك يزور القبور الزيارة الشرعية. Et aussi il visite les tombeaux, c'est-à-dire une visite qui est appuyée par les textes religieux. لا يتكلم بهذا الباب باب النساء وباب النكاح وكذا. Il ne parle pas de ces sujets-là, tout ce qui a un rapport avec le mariage, avec les femmes, il ne parle pas. Mais son regard. Et qu'il ne fasse pas preuve d'exagération dans la façon dont il s'adresse aux femmes. Tu ne vas pas employer un ton assez particulier lorsqu'il parle avec elles. Qu'il ne fasse pas preuve de laxisme lorsqu'il s'adresse aux femmes. Allah Ta'ala nous dit, n'approchez pas à la fornication. Il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, ne forniquez pas. Pourquoi?
Pourquoi cela? Car il y a des choses qu'Allah nous en préserve qui amènent la personne à la fornication. Écoutez la musique. Regardez les femmes. Discuter avec les femmes. S'isoler avec elles. Et d'autres choses de ce genre. Aussi, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfini bi halalik an haramik wa ghni bi fadlik an sayyi'. Oh Allah, suffis-moi de par ton licite à l'encontre de ton illicite et donne-moi la suffisance. Et donne-moi la suffisance de par ta grâce contre les autres. Ce peuple n'a plus besoin des autres. Aussi, il invoque Allah Ta'ala comme l'a invoqué le prophète Yusuf alayhi salam lorsque Allah a rapporté sa parole dans la sourate qui porte le même nom. Oh Allah, la prison est préférée à ceux par quoi il m'appelle, et si tu ne me détournes pas de leur ruse et subterfuge, j'accourrai vers elle et alors je ferai partie des ignorants. Il y a sourate Yusuf alayhi salam. Il y a sourate Yusuf aussi alayhi salam. لا ينام إلا وهو متعب جدا ومحتاج إلى النوم. qu'il n'aille pas dormir tant qu'il n'est pas fatigué énormément et qu'il n'a pas un besoin énorme dans le sommeil. يعني يبذل غاية الجهد في الحفظ والمراجعة والصلاة والاستغفار وغيرها. qu'il fasse le maximum d'efforts possible dans l'apprentissage, dans la révision, dans l'accomplissement des actions supérieures. Là, on ne regarde pas la télévision. On ne regarde pas la télévision. Voilà, il y a des choses que l'on va faire internet ou autre. Il y a un peu de temps et on peut faire un mouchard avec un Donc, il ne regarde pas la télévision, qu'il n'est surtout pas sur internet, sauf si ce n'est pour un besoin pressant et qu'il s'arrange lorsqu'il en a besoin de le faire pas tout seul, mais en présence d'autres personnes. Qu'il ne se rende pas dans les endroits dans lesquels on trouve de l'exhibition, c'est-à-dire de l'exhibitionnisme, ou encore de la mixité, ou de perversions. Il fait tout son possible pour améliorer la communauté. Comme par exemple, acheter des hijabs qu'il les distribue aux femmes. Qu'Allah Ta'ala nous préserve ainsi que vous des tentations. وأهل الإسلام إلا ما رحمه الله ما يسمعوا شيء.
Donc les frères, grâce à Allah Ta'ala, nous sommes passés sur la majorité des questions relatives à la jurisprudence du jeûne à travers les cours qu'on a fait aujourd'hui. Et Cheikh, donc, il insiste sur l'importance de réviser ces points-là et de les connaître et de les maîtriser et d'appeler les gens à les mettre en pratique et que personne n'aille se dire qu'il n'est pas capable d'inviter les gens à en faire de même, car au minimum, il peut photocopier, imprimer ce genre de dépliant, que ce soit en arabe ou en français, qu'il les distribue. Et que le musulman il donne de l'importance à ces choses-là, car les ennemis de l'islam, en contrepartie, eux, fournissent énormément d'efforts dans le fait d'appeler les gens au faux, et à l'adoration du faux, et à l'éloignement du vrai. Donc si toi tu ne les invites pas, dis-toi qu'eux, ils t'inviteront. Donc Cheikh, il nous dit qu'il a été dans un pays dans lequel il a été accueilli par une personne qui lui a présenté de nombreux documents en rapport avec sa religion, la religion de cette personne-là. Et donc, on voit à travers cela combien d'efforts ils fournissent dans le but d'égarer les gens. Donc, il est obligatoire pour nous, en tant que musulmans, d'appeler les musulmans et les non-musulmans à l'islam, ne serait-ce qu'à travers la distribution de ce genre de dépliants. تصور هذه المطوية وتستأذن جماعة المسجد أن تعلق في لوحة الإعلانات. Donc tu peux très bien imprimer ou photocopier ce genre de dépliants et aller demander la permission aux responsables des mosquées, des associations, à ce que ces dépliants soient accrochés, soient placardés au cadre réservé qui était fait dans les mosquées. Toi, Zer, tu es allé au Koyat, tu es allé à la Moussoumi, tu es allé à la Fina, tu es allé à la Fina, tu es Tu achètes ou tu imprimes photocopie des dépliants qui contiennent une invitation à l'islam pour les non-musulmans et tu vas les distribuer, que ce soit sur ton lieu de travail ou bien sur dans les lieux de transport, les transports en commun que tu vas utiliser ou bien autour de toi n'importe où et tu les donnes aux gens, tu les invites à l'islam à travers ça. Et Aquilius a interrogé Abu Sufyan radiallahu anhu au sujet des compagnons du prophète radiallahu anhu, au sujet de leur nombre, est-ce qu'il accroît ou est-ce qu'il diminue? Il a répondu, il ne cesse d'augmenter. Et donc, pas de l'égard de l'Abbé Sufyan. Il ne cesse de se faire de l'Omma, et de se faire de l'Omma, et de se faire de l'Omma. لابد أن نسعى لها كنتم خير أمة أخرجت للناس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبع فالمتبع حق للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبخاصة التوحيد Donc on se doit de faire comme le prophète عليه الصلاة والسلام a agi et a fait et qu'on ait l'intention donc d'inviter les gens à l'islam dans le but à ce que la vérité du prophète alayhi salam ne cesse de croître et d'augmenter donc ne cesse de croître et d'augmenter وصحبه وسلم استودعكم الله الذي لكم